potentiel extraordinaire qui a pu être développé en 10 jours parce qu'on a des produits de tout genre et surtout le renforcement des capacités de vie courante et l'initiation à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment très satisfaisant ce que nous avons vu ce matin. Il faut dire que c'est une activité qui a été initiée depuis l'année dernière avec le partenaire ACCED. Et qui vise voilà, des élèves, mais aussi des enfants qui sont en situation d'abandon scolaire. Et donc, la fin de l'année, les vacances, c'est le moment le plus propice pour permettre à ces deux groupes-là de se retrouver et d'apprendre ensemble. Et on a vu aussi que cette année a été suffisamment perturbée. Et donc, c'était un moment aussi favorable maintenant où il y a eu une baisse également de la maladie. Et donc, on a pu faire cette activité-là maintenant. La formation professionnelle et la formation au métier est un axe très important de nos activités. Et nous sommes en train de développer d'autres initiatives. Nous avons déjà fait de telles initiatives en faveur des enfants déplacés, que ce soit dans la région du centre-nord, dans la région de l'est, en plus des initiatives que nous avons comme ça dans les régions les autres régions. Donc ce sont des actions qui vont continuer et il y a d'autres projets qui se développent pour toujours renforcer les capacités des enfants et des jeunes, pas seulement des jeunes filles, mais de façon globale les enfants.